Salut, c'est Sébastien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, le vlog donc du mois d'avril 2022. Donc là, tu vois, je suis de retour en France. Si tu avais suivi les précédents épisodes, tu avais pu me voir un petit peu en Thaïlande. Je t'avais fait voir un petit peu ce que j'ai pu un petit peu faire sur la Thaïlande. Alors, dans les prévisions, j'y retourne cet été. Donc on retourne tout simplement sur la Thaïlande. Donc ça, c'est en train de se mettre en place progressivement. Là, ce matin, je me situe en direction de Tours, où je vais retrouver Samy. Samy, qui est mon partenaire et qui bosse avec moi sur toute la partie marketing, formation, toute la partie site web aussi, enfin vraiment toute la partie digitale. Beaucoup de choses à voir. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc là, ça va être intéressant pour échanger sur pas mal de choses. C'est vraiment important quand tu bosses avec quand tu bosses avec d'autres personnes, de se voir, parce que les WhatsApp, les messages qu'on peut s'envoyer au quotidien, c'est bien, on va dire, ça fait le job. Mais tu vois, des fois, ça coupe complètement le. Pour moi, rien ne remplacera un rendez-vous physique où on se voit face à face et on prend vraiment du temps. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut quand même toujours garder ça. Il faut le contact humain, en fait. Il n'y a pas à chier. Parce que les messages WhatsApp, les messages vocaux, etc., on se comprend pas forcément et on renvoie un message. Et finalement, c'est pas du tout productif. C'est surtout qu'on perd du temps. Alors que là, au moins, tu vois, on va se voir une journée, on va tout refixer, etc. Et là, ça permet aussi de redonner un côté humain et parce qu'il part des non-dits, il peut avoir des... Donc, super important. Super important. Et dans tes business, pense-y. Faire un point de temps en temps physiquement avec les personnes avec qui tu bosses pour que voilà ou qu'on se dise clairement les choses et que les non-dits etc. soient dits face à face et que du coup ça puisse permettre de tout simplement de débloquer des situations qui sont pas forcément qui sont délicates aussi hein. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui c'est journée à Tours, après du coup je rentre sur le Mans et puis cette semaine on doit se voir avec avec mon partenaire associé manager de la conciergerie pour faire un point. Et voilà, il y a encore des changements à prévoir, des choses à mettre en place parce que la société évolue, la société se développe et il faut tout simplement s'adapter. On a eu une croissance très rapide, donc forcément, décision très rapide, modification très rapide, parce qu'il faut s'adapter à la situation, tout simplement. Voilà. Donc du coup, dans ce vlog, tu redécouvriras tout simplement ce que je fais de mon quotidien. Alors, je filme pas tout, bien évidemment, mais j'essaie d'en filmer un maximum. Voilà, je te dis à la prochaine partie. Allez, on se retrouve dans une autre partie de ce vlog. Là, j'ai un agent IMO qui vient de m'appeler, qui m'a proposé un bien qui a l'air plutôt intéressant. Une petite maison avec un appartement. Là, je vais regarder en même temps mon GPS pour être certain de ne pas me tromper parce que je suis en train de marcher. Et du coup, c'est une maison avec un petit studio juste à côté. Donc finalement de l'eau. Hein. Par contre, le point faible, c'est que c'est proche de la rocade, donc peut-être avoir un peu de bruit. Mais le prix est vraiment pas cher. Donc là, du coup, j'y vais. Il me reste 5 minutes de marche. Et du coup, je vais regarder ça un petit peu. Et puis, on va voir. Peut-être faire une proposition. On va voir ça. Allez, je t'emmène avec moi. Allez, on arrive sur le lieu. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, je me dirige en direction de mon local puisqu'on va faire une petite réunion avec mon associé. Et puis ensuite, après, on va aller visiter un local commercial parce que peut-être qu'on va envisager de changer de lieu par rapport à l'adresse de notre local professionnel pour notre activité de conciergerie.
Alors je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Pour l'instant c'est un peu trop compliqué d'expliquer ça. Mais du coup on va les visiter et je vais t'emmener avec moi. Comme ça tu vas pouvoir découvrir un petit peu bien ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mettre en place peut-être dans les prochains mois. Voilà, allez, on se dit à tout de suite. Je sais pas toi, mais j'aime bien recevoir le petit colis Amazon. Alors même si c'est pas un usage personnel, le fait est que c'est un usage professionnel, évidemment. Donc là, on a reçu quoi ? On a reçu une petite Wheelock. Donc ça, c'est quelque chose, je te ferai voir ça un peu plus tard, qui se met sur les poignées de porte. Et c'est vraiment top. C'est vraiment un excellent produit. Je te le présenterai un peu plus tard. Et du coup, j'ai acheté son petit frère, en fait. Qui du coup est le système Wi-Fi et qui permet notamment de connecter ça donc en Wi-Fi, cette petite box là, et normalement ça va permettre depuis une application de changer le mot de passe à distance. Donc moi je trouve ça vraiment très bien. Ça c'était en promotion donc 120€ je crois, le 150, et ça c'était je crois 50€, bref, sans promotion faut compter 200 balles, mais là t'as vraiment un bon outil normalement, et je te représenterai ça un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube et tu verras c'est plutôt pas mal. Allez, on se retrouve dans un de mes appartements. Donc là, je suis en train de changer un petit peu la manière d'automatiser, si tu veux, le système de porte d'entrée. Donc à l'entrée de l'immeuble, on a un système de code. Et là, du coup, je t'avais fait voir sur une précédente vidéo ce que j'ai reçu. Donc en fait, ça se présente comment ? C'est ça, tout simplement, cette petite boîte là, donc Wheelock. Et en plus de ça, on a branché un système donc de Wi-Fi en plus. Ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec aussi éventuellement des petites clés comme ça. Des petites clés sensitives, des petits badges on va dire. Donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup je vais en laisser un quand même pour le voyageur. Et si tu veux, ce qui est top, c'est que le système Wi-Fi qui est juste là, voilà, et bien du coup depuis mon application que je vais te faire voir tout de suite, j'ai même deux applications pour gérer ça. Alors voilà, on y est. Ça se présente comme ça. Donc là, du coup, tu as l'application. D'accord. Et là, en fait, voilà. Donc là, je peux accéder directement à ma porte. Donc je vais te faire voir ça juste après. Là, j'accède donc au système de passerelle, de routeur. Donc là, je vais dessus. Voilà. Là, il me trouve du coup la porte. Je vais dessus. Et donc là, à distance, via le Wi-Fi, je peux changer les mots de passe. Je peux attribuer un mot de passe temporaire pour un voyageur. Tu vois un petit peu tous les menus, je peux supprimer, ajouter un mot de passe, gérer les autorisations, voir l'historique, voilà. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses. Ça marche aussi en Bluetooth si on le souhaitait, mais là c'est pas trop l'intérêt. Et donc du coup, comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, ici ça se passe comme ça, voilà. Donc là tu tapes ton code, d'accord, et automatiquement après tu vas pouvoir tourner et ouvrir la porte. Et à l'intérieur, tu as ton système tout simplement ici, pareil, pour ouvrir la porte. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Et donc là, du coup, à distance, on va pouvoir tout simplement modifier donc le mot de passe de nos voyageurs. Et franchement, ça marche vraiment bien. D'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites mettre en place ce petit outil, je te mettrai dans la partie description le lien direct pour acheter ce produit. Donc il faudra bien que tu achètes le combo, donc le système donc de boîte que je t'ai fait voir pour la porte et le petit système pour la passerelle. Et après il faudra bien jumeler les deux. Alors c'est traduit dans un français pas très bon, mais t'hésiteras pas, si tu achètes ce type de produit, t'hésiteras pas à me demander, je pourrais éventuellement t'expliquer les petites nuances, mais ça se passe plutôt bien, c'est assez facile, ça demande à peu près 30 minutes d'installation, à peu près 30-45 minutes d'installation. Et après, pour le coup, tu es automatisé et c'est surtout que tu peux piloter ça à distance. Allez, je te laisse, moi j'enchaîne pour mes appartements. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle partie du vlog. Donc là, je viens de ressortir d'un rendez-vous très intéressant. Tu vois, c'est toujours important aussi de pouvoir donner son temps à dans des
des associations notamment. Et là, c'est une association sur ma ville. Une association pour tous les créateurs repreneurs d'entreprises. Et cette association, eh bien, accompagne justement des créateurs d'entreprises dans différents domaines, hein, dans tous les domaines même. Elle les accompagne pour justement les aider à créer leur entreprise, à... Juste deux secondes, parce que là, il y a... Alors voilà, donc je te disais, il y avait juste la police à côté. Du coup, elle les accompagne donc dans la crise, dans la création, reprise d'entreprise à tout niveau, donc à partir de la soumission de leur projet, donc vérification de la solidité du projet, donc notamment prévisionnel financier. J'en parle beaucoup de ça. Hein. Donc c'est vraiment très important. Et du coup, derrière, en fonction de ça, eh bien ils peuvent tout simplement délivrer un crédit. Crédit bancaire à taux zéro, et ils peuvent aussi aller solliciter après des établissements bancaires pour aller chercher un crédit supplémentaire. Et en fait, ils cherchent tout simplement des comptables, des experts comptables, des avocats, mais pas uniquement, hein, ils cherchent aussi des entrepreneurs, bien évidemment. Et donc forcément, on a pu échanger, etc. Et forcément, ils seraient intéressés d'avoir un entrepreneur supplémentaire pour les aider dans la, tout simplement, la préparation des dossiers, les commissions, etc. Donc voilà, du coup, j'ai fait ça ce matin, j'ai trouvé ça très intéressant, et à mon sens, c'est mon rôle d'intervenir dans des associations, et le but, c'est d'aider justement, moi, tu le sais, hein, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, et l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et si je peux aider un entrepreneur qui se lance dans un business, écoute, tu vois, c'est vraiment avec plaisir que je vais le faire. Et voilà, donc du coup c'était le petit rendez-vous de ce matin. Et puis on enchaîne et à très vite pour la suite de ce vlog. Allez, on se retrouve dans l'appartement qui commence à bien avancer. Voilà, il reste les télés à poser, on va virer tous les cartons, il y a encore du montage. On est dimanche. Voilà. La cafetière, ça c'est beau. Le four à micro-ondes. Allez, petite visite d'un nouvel appartement donc en conciergerie que je t'ai déjà fait voir. Alors voilà, du coup, on est en train de finaliser. Voilà la petite création pour les tableaux. Donc pour la conciergerie, on accompagne un propriétaire dans la mise en place de son ameublement, réception, assemblage, montage, décoration. Voilà. Du coup là ici. Voilà. Et puis là, la deuxième petite chambre. Vous savez, parce qu'on recherche effectivement des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on puisse discuter ou pas? Ouais. Alors du coup, je vous explique rapidement. Nous, en fait, on est une conciergerie sur Le Mans et forcément, on gère des appartements sur Airbnb. Et du coup, on recherche des aides ménagères pour nous aider justement à réaliser les prestations de ménage. Donc moi, si j'ai bien compris, vous êtes déjà en micro-entreprise, hein, c'est ça, hein.
D'accord. Donc nous on a des ménages tous les jours, très clairement, hein, du lundi au dimanche. Alors je voulais juste vous expliquer un petit peu comment nous on fonctionne. En fait, on vous donne un montant lié à la prestation de ménage. Donc nous on paye généralement 17 euros donc de l'heure. Donc si un ménage par exemple dure, je sais pas, un studio c'est une heure, ben on va vous, de toute façon on vous donnera minimum 17 euros. Donc on vous donne 17 euros pour gérer le ménage, et en fonction des appartements, ben, certains appartements faut peut-être prendre 1h30, 2h, 3h, etc. Et en gros c'est des multiples. Voilà. Donc comment ça fonctionne ? Bah nous on a une application où vous avez toutes les missions qui sont proposées de ménage, et vous choisissez celle que vous prenez. Donc vous avez tout le planning qui vous est affiché à l'avance, et vous en fait vous choisissez quel jour vous souhaitez travailler et quel ménage vous souhaitez prendre. Voilà un petit peu comment nous on fonctionne. Alors je sais pas si ça correspond à vous, votre manière de fonctionner. Est-ce que peut-être que vous pouvez m'expliquer un petit peu aussi de votre côté comment vous travaillez ? Ouais. D'accord. Bon, vous travaillez tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours que vous gardez pour vous? Comment? D'accord. Et D'accord. Moi, je pense que ça serait bien qu'on essaie de se rencontrer un jour de la semaine. Vous êtes disponible avec mon associé qui s'occupe plus de la partie, opérationnelle, qui s'appelle Michel. Est-ce que vous avez un jour où vous êtes disponible, qu'on puisse se voir prochainement dans la semaine, éventuellement? Ouais, eh ben jeudi, c'est possible. Jeudi, vous me dites le matin, peut-être dans ces cas-là, si c'est bon pour vous. Ouais. Eh ben on peut se dire jeudi 10h, et je vais vous donner l'adresse. Et d'autres, si vous voulez échanger, on va échanger. Visite d'un nouvel appartement sous location. Sous comble. Qui sont, c'est des rayonnants, des plus récents. Oh, c'est un petit studio. Ouais, c'est des rayonnants. Ouais. Ouais, bien, on pourrait changer un petit peu la disposition de tout ça. Il se tapait combien de factures d'électricité ? Après, c'était pas tout le temps là, mais tu tournes à 30 euros par mois, mais là maintenant que ça augmente. Donc là, on a ces 350 euros, c'est ça, toute charge comprise ? C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Électricité, ils payaient combien, vous disiez ? C'est ce que je disais, à peu près 30 euros, mais ils étaient pas là non plus. Ah ouais, d'accord. Il y a des étudiants. Ouais, faut compter 50-60 euros. That I'm lonelier with you. Ce matin dans cette nouvelle partie donc du vlog. Donc tu l'avais vu dans les précédents épisodes, et bien j'avais contacté un auto-entrepreneur, j'étais mis en écoute pour que tu puisses entendre un petit peu comment ça se passe concrètement quand on recrute une nouvelle aide ménagère. Donc là ce matin, rendez-vous donc avec cette personne, puis avec mon associé également qui va s'occuper du suivi, puisqu'elle est plus sur la partie opérationnelle. Rendez-vous ce matin là, hop, et puis ensuite après, visite d'un appartement qu'on vient de nous confier encore pour de la sous-location. Il faisait partie d'un lot, donc l'appartement est aujourd'hui disponible. Donc là, on va aller le visiter, voir un petit peu ce qu'il y a à faire dedans. On a une franchise de loyer de 15 jours et du coup, on va aller voir ça ce matin. Voilà. Dans les news, recrutement d'une nouvelle personne que je te présenterai un peu plus tard, qui va nous rejoindre dans l'équipe au niveau de la conciergerie, qui sera plus sur la partie commerciale dans un premier temps, et puis suivi de la société, de la comptabilité, etc. Toute la partie aussi finance, facturation, contrat. Tout simplement parce que on a une explosion de la demande, et on a de plus en plus d'appartements, et qu'on a de plus en plus de visites à faire, et nous forcément les visites ça prend du temps, il faut et aujourd'hui déjà nos journées sont bien occupées, donc c'est assez compliqué. Donc on renforce l'équipe,
Et puis voilà, voilà un petit peu pour les news. Donc du coup, bah là, je vais te faire voir dans quelques instants un petit peu tout ça. Je vais essayer de te présenter le nouvel appartement et je te dis à très bientôt pour une prochaine partie de ce vlog. Depuis que je suis ici, j'en ai pas encore. Allez, on est à 24. Ouais, au moins un an qu'il était là que le voyageur. Ouais, récupérer l'appartement. Bon bah, ça aurait pu être pire, hein. Ouais. Ça va. On va dire ça. Après un an. Ça va, ça va. Un bon coup de nettoyage et c'est reparti. Oh, et si, là, il va falloir passer un moment. Oh, et si, c'est dégueulasse en dessous. Donc, ça, on récupère ça en sous-loc. Allez. Non. Bienvenue dans cette nouvelle partie donc, du vlog. Donc là aujourd'hui je me situe dans une ville qui est à peu près à 35 minutes de chez moi, donc une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants. Et là ce matin, visite de deux immeubles de rapport. Donc on va regarder un petit peu tout ça et puis je vais voir si je vais me placer ou pas sur ce type d'investissement. Voilà, donc je vais essayer de te présenter ça dans les prochains épisodes. Petit retour sur donc, la visite de ce matin. Donc, du coup, on était sur un, comme je te disais juste avant, on était sur un petit immeuble en fait, de rapport qui a normalement 7 lots, mais on va réellement retenir que 5 lots puisqu'on a 2 lots qui sont vraiment trop petits, qui sont en fait 15 mètres carrés. Pour moi, ça paraît vraiment compliqué. Possibilité de négociation, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, bah, l'idée maintenant c'est tout simplement de coucher les différents chiffres sur un fichier Excel. De voir un petit peu ce que ça peut sortir en termes de chiffre d'affaires, voir aussi les travaux. Hein, donc, je pense que si je me positionne sur le bien, eh bien, je vais tout simplement faire appel à des artisans, faire un petit peu un devis, voir un peu dans quoi ça peut nous emmener. Comme ça tu verras, donc là c'est la cuisine, bien sûr. Voilà, tac. Là, la fameuse Senseo Switch, donc, tu vois, cafetière classique et Senseo. Là pour la cuisine. La chambre jaune. On dirait à Tintin le mystère de la chambre jaune. Voilà. Donc il manque un fauteuil qui est en cours de livraison. Il va arriver, mais il n'est pas encore. Comme tu peux le constater. Tac. Voilà. La chambre bleue. Sur ce mur-là, il y aura ça, l'horloge, et puis la pompe.